Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tour de magie. Donc, tu vois à l'écran, il y a des animaux, il y a 10 animaux. Et tu vas demander à un de tes copains de choisir deux animaux parmi les 10. Donc, par exemple, il va te dire, je choisis le chien et l'oiseau. Et toi, donc, tu vas lui dire, on enlève le chien. Donc, on appuie sur le chien et le chien, donc, disparaît. Ensuite, c'est à toi. Donc toi, tu vas dire, je choisis le cheval et le chat. Donc là, ton copain va dire, euh, bah, supprime le chat. Donc on va cliquer sur le chat. Donc le chat disparaît. Ensuite, ton copain va choisir deux animaux. Donc par exemple, le lapin et la poule. Donc toi, tu vas dire, j'enlève la poule. D'accord. Ensuite, toi, tu choisis deux animaux. Donc par exemple, le canard et le cochon. Ton copain va dire enlève le cochon donc on enlève le cochon maintenant ton copain choisit le papillon et l'oiseau donc toi t'enlèves par exemple le papillon ensuite toi tu dis je choisis le canard et le cheval donc il dit j'enlève le cheval ton copain choisit le lapin et la grenouille t'enlève la grenouille toi tu choisis le canard L'oiseau et il enlève par exemple l'oiseau, et donc ton copain il lui reste le lapin et le canard, et tu enlèves le canard. Donc là finalement il n'y a plus qu'un seul animal sur l'écran, sur et tu dis à ton copain bah, J'avais deviné que c'était le lapin. La preuve, tu cliques sur le lapin. Donc on entend abracadabra et le lapin apparaît en grand. Donc là, on se demande comment par magie tu as réussi à deviner que c'était le lapin qui allait rester euh, à l'écran. Alors comment on fait ce tour de magie Donc il faut... Euh, on aura besoin de, de, de deux scènes. La première scène où on est euh, à la campagne avec tous les, tous les animaux, donc les 10 animaux à mettre. Et puis une autre scène où il y aura en grand l'animal que tu as choisi. Donc toi, j'avais bien mis ici un, un lapin. Donc on va faire ça. On va retourner donc dans les projets. Donc je crée un nouveau projet et on va déjà mettre les, les scènes. Donc on appuie sur la petite image. Je vais choisir donc ici euh, la campagne. Je valide. Ça c'est la première scène. Et pour la deuxième scène on aura la salle de spectacle, donc la petite image, et la salle de spectacle qui est ici. Donc je valide. Voilà, alors pour cette scène-là, nous n'aurons pas besoin du chat, donc je vais supprimer le chat. Par contre, je vais garder le chat ici, puisqu'il fait partie des animaux quand on va mettre les 10, les 10 animaux. Donc on a déjà le chat. Alors, je vais ajouter rapidement les, les neuf autres. Alors, tu as tous les animaux ici. Donc, le chien, le lapin, la poule, le cochon, etc. Alors, je les ajoute. Donc, le premier. Je regarde si j'ai bien les 10. Donc je vais les mettre comme ça pour l'instant, pour bien les voir. Donc le cheval est un petit peu trop gros. La poule, le lapin. Alors on en a combien 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a bien les 10 dix, les dix animaux. Alors je reprends le premier tout en haut de la liste. Donc c'est le chat. Donc le chat, je vais le mettre un petit peu plus petit. Donc je vais dans les icônes violettes, plus petit, j'appuie une fois, le chat est plus petit et j'enlève. Donc il faut ensuite, euh, pour chacun des animaux, faire l'action suivante. C'est dès qu'on va appuyer sur l'animal, l'animal va disparaître. Donc ça c'est dans le tour de magie. Dès qu'on appuie sur un animal, l'animal disparaît. Donc par exemple ici, si je le fais, hop, le chat disparaît. Donc je le remets. Donc on va faire ça pour tous les animaux. Voilà, donc là, je l'ai fait pour tous les, tous les animaux. Donc on peut tester. On va appuyer sur le chat, sur le papillon, sur le chien, le cochon, la poule, le lapin, le canard, la grenouille, l'oiseau et le cheval. Donc là, ils disparaissent tous. Donc ça veut dire que j'ai bien programmé tous les, toutes les actions. Donc je remets tout le monde. Alors après, bah, tu peux les placer comme tu veux. Alors le cheval, par exemple, il est, euh, le cheval, il est trop grand. Donc je vais aller sur le cheval. Diminution, j'appuie une fois, deux fois. Voilà. Et donc après, tu les places où tu veux sur la scène. Alors attention à ne pas les faire disparaître. Voilà, donc là, ils sont placés. Et maintenant, tu dois euh, choisir l'animal qui va rester à la fin. Donc par exemple, on se dit c'est euh, la grenouille. Donc dans mon tour de magie, à la fin, il faudra que ce soit la grenouille qui reste à l'écran. Donc je vais ajouter l'objet qui va être la grenouille. Voilà, donc la grenouille, on va l'agrandir. Voilà, c'est elle qui sera à la fin. Et ici, on va euh, ajouter l'action Abracadabra et on va faire apparaître la grenouille. Donc je mets le petit drapeau, on va enregistrer Abracadabra, donc le micro. J'appuie sur le bouton rouge, Abracadabra, j'arrête, je vérifie et je valide. Donc je mets le petit micro ici et je vais choisir Apparition. Voilà, donc la grenouille, il faut évidemment qu'elle ne qu soit pas là au début. Donc on va faire disparition. On appuie sur disparition. Donc comme ça, la grenouille disparaît. Et dès qu'on fera le drapeau, enfin dès qu'on arrivera sur la scène, et voilà, la grenouille apparaîtra. Donc là, on a pratiquement fini. Il faut juste, pour que le tour de magie euh, fonctionne, qu'on aille sur la grenouille. Et dire que dès qu'on appuiera sur la grenouille, donc la grenouille va disparaître, mais on ira à la scène 2, c'est la, euh, la fin de notre tour de magie. Alors comment ça marche Donc quand on lance le tour de magie, donc tu demandes, c'est important, il y a deux choses importantes, il faut avoir 10 animaux à l'écran, il n'en faut, il faut pas 9, il en faut pas 8, il en faut exactement 10, et puis il faut que ce soit toujours ton ami qui commence. Donc par exemple, si ton ami choisit le cheval et la grenouille, il ne faut surtout pas lui dire la grenouille, parce que la grenouille, il faut qu'elle reste jusqu'à la fin. Donc s'il si te dit le cheval et la grenouille, tu dis supprime le cheval. Donc là, ton ami, il appuie sur le cheval et le cheval disparaît. Et toi, maintenant, tu dois choisir deux animaux, mais évidemment, tu ne choisis pas la grenouille, parce qu'il faut que la grenouille, elle reste jusqu'à la fin. Donc par exemple, tu vas dire le chien et le lapin. Donc là, ton ami peut choisir l'un ou l'autre, peu importe, de toute façon, il choisira jamais la grenouille. Donc s'il dit le chien, toi t'appuies sur le chien, donc le chien a disparu. Si maintenant ton ami dit euh, le canard et le lapin, bah là tu prends celui que tu veux, de toute façon il n'y a pas la grenouille, donc c'est pas grave. Donc tu lui dis, bah supprime le lapin, donc il supprime le lapin. Ensuite, toi tu en choisis deux, donc par exemple le chat et la poule, donc surtout pas, euh, surtout pas la grenouille. Donc, le chat ou la poule, donc ton ami dit Oh, bah, supprime la poule, donc tu supprimes la poule. Si ensuite ton ami dit la grenouille et le cochon, et eh bah, ben, toi, tu dis le cochon, comme ça, la grenouille, elle reste. Donc là, on a supprimé le cochon. Toi, t'en choisis deux, donc surtout pas la grenouille, donc le chat et l'oiseau, par exemple. Donc, ton ami dit Supprime l'oiseau, donc très bien. Ensuite, ton ami choisit le canard et encore la grenouille, donc tu supprimes le canard pour laisser la grenouille. Ensuite, toi, bah là, tu n'as plus le choix, puisque tu, toi, tu n'as jamais le droit de prendre la grenouille. Donc, tu vas dire le chat et le papillon. Donc, par exemple, ton ami supprime le papillon. Et ton ami, maintenant, il n'a plus le choix non plus. Il va dire le chat ou la grenouille. Donc, toi, tu vas dire, bah, on supprime le chat. Donc, il va rester forcément la grenouille. Et quand tu dis, voilà, j'avais deviné que c'était la grenouille, la preuve, tu cliques sur la grenouille. Et là, tu arrives sur la scène 2, abracadabra, et tu as la grenouille qui apparaît en grand. Et donc voilà le tour de magie que tu pourras faire à tes amis ou à tes parents. Si tu veux refaire le tour de magie avec un autre animal, donc tu retournes sur la scène. Donc là évidemment, il faut que tu te caches, il hein, ne faut pas que tes, tes copains le voient ce que tu fais. Tu vas sur la grenouille, là tu supprimes la scène 2, c'est plus la grenouille maintenant, mais par exemple tu vas prendre le papillon. Donc tu vas sur le papillon, là tu ajoutes la scène 2. Après le papillon, et tu vas donc sur la scène 2 et la grenouille. Donc tu enlèves la, la grenouille. Donc je supprime la grenouille et tu ajoutes donc le papillon. Donc tu prends le papillon, tu valides, tu le mets en plus gros. Donc tu augmentes la taille. Voilà, et puis donc le petit drapeau, là éventuellement tu t'enregistres, tu n'es pas obligé, hein, mais tu peux t'enregistrer. Donc tu dis rapidement Abracadabra, voilà, tu valides, tu mets le micro et ensuite tu fais donc apparaître le papillon. Donc ça c'est voilà, la, la, la version un petit peu, un petit peu longue et tu pas de faire disparaître au début le, le papillon. L'autre solution qui est plus, qui est plus rapide, c'est. Donc, je supprime tout ça. Tu laisses le papillon en grand et tu dis simplement. Euh, bah tu, tu peux laisser comme ça, le, le papillon sur la scène. C'est-à-dire que dès qu'on va appuyer sur le papillon, on va se retrouver sur la scène. Donc, il disparaît et voilà, tu as le papillon qui apparaît en grand. Tu peux aussi prendre le petit drapeau et éventuellement t'amuser à faire des, des déplacements. Donc par exemple le papillon qui va tourner euh, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc faire des voilà des petites choses, des petites choses comme ça. Amuse-toi bien, au revoir.